été libéré. Frère, je veux dire à quelqu'un ici qui est condamné par la médecine, je veux dire à quelqu'un ici, là, alléluia, ta guérison est déjà pour Jesus Christ, alléluia. Alléluia! Une femme est venue, elle a dit, je vais avoir des enfants, mais on m'a fait une ablation de l'utérus et des trompes, il n'y a plus rien. Je lui dis, il n'y a pas de souci, tu crois que Dieu peut te guérir? On a prié, frère, et par voir le médecin, l'utérus repousse, les trompes repoussent, frères et sœurs. Je veux dire à quelqu'un ici, alléluia, nous avons des organes de rechange au ciel. Nous avons de... Aïe, 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 alléluia! Si monsieur Peugeot a des pièces de rechange pour ses véhicules, et celui qui nous a créé, frères et sœurs. Oh, alléluia. Celui qui a créé ton cœur, là, mes amis, là. Celui qui a créé tes reins, là, frères et sœurs. Oh, alléluia. C'est possible que tu sortes de la dialyse. C'est possible. Oh, que tu sortes de ce péché. C'est possible. Jésus. Allô, une dernière personne, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Chourin. Oui, vous nous appelez depuis le Canada, les États-Unis? Oui, j'appelle depuis le Canada, ouais. Au fait, premièrement, moi j'étais d'abord bénie, j'étais guérie quand vous étiez ici. J'avais envie de témoigner, mais malheureusement, j'avais pas encore eu les papiers, donc voilà. Tu souffrais de quoi? Ah, parce que quand vous étiez ici, je pense qu'il y a en 2015, je pense, 2014 ou 2015, en novembre ou décembre, il y avait des trompes qui étaient... J'avais plus de trompes, au fait. Tu n'avais plus de trompes? Ouais, j'avais plus de trompes. Donc, vous avez prié pour moi. Et c'était juste une petite prière donc, que vous avez fait le jour-là, je me rappelle. Et après, quand je suis retournée chez le médecin pour aller faire d'autres examens, et le médecin m'avait dit, mais t'as fait quoi? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a regardé 5 fois, il me dit, mais c'est incroyable. J'ai dit, mais c'est quoi? Il me dit, mais t'as des trompes maintenant. J'ai dit, waouh, c'est vrai? Oh! Aïe, 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 aïe. Oh, yo, 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 yo. Attends, 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 attends. Ma soeur, 2 secondes. Non, 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 non. Ça, ça. Oh, yo, 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 yo. Attendez, les amis, est-ce que... Mais vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte. Oh, Jésus de Nazareth. Quand nous vous disons que Jésus-Christ, qui nous a créés, a des organes de rechange au ciel, mais beaucoup pensent que c'est de la comédie. Une femme est venue, elle a dit, je vais avoir des enfants, mais on m'a fait une ablation de l'utérus et des trompes, il n'y a plus rien. Je lui dis, il n'y a pas de souci, tu crois que Dieu peut te guérir? On a prié, frère, et par voir le médecin, l'utérus repousse, les trompes repoussent, frères et sœurs. Je veux dire à quelqu'un ici, alléluia, nous avons des organes de rechange au ciel. Nous avons de... Aïe, 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 alléluia! Si monsieur Peugeot a des pièces de rechange pour ses véhicules. Et celui qui nous a créé, frères et sœurs. Oh, alléluia. Celui qui a créé ton cœur, là, mes amis, là. Celui qui a créé tes reins, là, frères et sœurs. Oh, alléluia. C'est possible que tu sortes de la dialyse. C'est possible. Oh, que tu sortes de ce péché. C'est possible. Cette vidéo-là, cette partie-là, mes amis, il faut, Laurent, il faut balancer ça pour que les frères et sœurs soient encouragés. Que notre Dieu soit... Moi, ça fait peut-être depuis... 2003, donc je n'avais plus de trompe. En fait, les trompes étaient coupées. Mais au mois de... En février, j'étais à Paris. Mais comme avant de venir, je n'avais pas prévu de ramener le résultat. Et alors, je me suis dit, il faut que je pars. Il faut que je revienne en septembre. On me montrait, j'ai parlé à un frère. J'ai dit, waouh. Le jour que vous étiez venu, comme c'était comme un démon pour moi, j'étais arrivée à l'église avec un habit, même les saints étaient dehors. Il y a un autre esprit qui me disait, ne pars pas. Il y a un autre esprit qui disait, pars. Et je suis rentrée dans ma chambre pour chercher l'habit. Je voyais plus l'habit que je pouvais mettre. Et donc, du coup, j'avais mis un habit. Quand je regardais la vidéo, j'ai dit, waouh, le diable est toujours. Donc, j'étais guérie. Mais je vais revenir au mois de septembre, si Dieu le veut. Je vais ramener le résultat. J'avais plus de trompe. Donc, j'avais plus. Parce que j'avais une opération, on l'avait coupée. Je l'avais plus. J'avais plus de trompe. Et le jour-là, c'était juste une petite prière. On était à 3, je me rappelle. On était à 3 et quand vous avez prié, j'étais repartie pour aller faire le scanner. Et le docteur m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Il m'a regardé, j'ai dit, ah Seigneur, je pars. Tout ce qu'il va me dire, que la gloire soit rendue. Et je suis partie, il m'a dit, t'es 30, 100, t'as maintenant des 30. Il m'a demandé, qu'est-ce que t'as fait?
J'ai dit, mais docteur, j'ai rien fait. Je venais tout le temps te voir, tous mes résultats sont là. J'ai dit, ok, d'accord. Voilà. Waouh! Mes amis, elle n'avait plus de trompe depuis 2003. On lui avait fait une ablation des deux trompes et une petite prière. Elle a dit, comme Élie avec les prophètes de Baal, eux, ils ont pris toute la journée, pas de pluie. Lui, il est venu une prière de moins de 10 secondes. Aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi? Parce qu'il passait son temps dans l'adoration chez lui. Oh mon Dieu. Et les trompes sont descendues du ciel. Mes amis, sans opération. Dans ma façon, tu te rends compte des trompes. Le médecin dit, mais d'où viennent ces trompes? Mais oh Seigneur. Non, et là, on va dire, ça, c'est la magie, ça. Mais si c'est la magie, mais votre Dieu, il fait quoi? Mais prouvez-nous aussi que votre Dieu est vivant. Elle est au Canada. Hein, du tac au tac, 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 ça passe. Ça... Quand je vois ça, je me dis, Seigneur, je comprends pourquoi la persécution. Alors, plus encore, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu. Hugues, mon frère Rodrigue, vous ne vous rendez compte de ce qui se passe? Des trompes! On va envoyer la vidéo de la soeur. On va l'appeler de toute façon. Là, on a pris son numéro là parce que son témoignage là, ça va, mes amis là. Nous voulons vous prêcher le Dieu qui parle. On n'est pas là, on n'est pas dans une religion. On n'est pas là en train de dire il faut m'apporter déjà là-bas, je ne sais pas quoi là-haut, laisser pousser la barbe. Et ceux qui ne sont pas barbus, ils font comment? Ceux qui ne sont pas velus, ils font comment pour tout ça là, c'est quoi? Tout ça là, c'est la religion. Dis à tout le monde, la religion. Voilà. Nous chrétiens, nous sommes un peuple, le peuple du livre. Nous sommes le peuple du livre. Nous marchons selon la parole. Nous ne marchons pas selon par la vue. Nous marchons par la foi parce que nous avons des promesses. Il y a plus de 6000 promesses dans ce livre, frères et sœurs. Et l'une de ces promesses-là, c'est quoi? On te fera la guerre. Mais on ne te... Oh, yo, 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 yo. La parole! La parole a été libérée. Frère, je veux dire à quelqu'un ici qui est condamné par la médecine, je veux dire à quelqu'un ici, là, alléluia, ta guérison est déjà... Oh, Jesus Christ, alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici, alléluia, nous avons des organes de rechange au ciel. Nous avons de... Aïe, 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 alléluia! Si Monsieur Peugeot a des pièces de rechange pour ses véhicules, et celui qui nous a créés, frères et sœurs. Oh, alléluia. Celui qui a créé ton cœur, là, mes amis, là. Celui qui a créé tes reins, là, frères et sœurs. Oh, alléluia. C'est possible que tu sortes de la dialyse. C'est possible que tu sortes de ce péché. C'est possible. Jésus. Quand je pense des frères et sœurs qui n'ont plus de reins, qui attendent, mes amis, une transplantation, tout ça là. Mais nous pouvons, mes amis, grâce à Jésus-Christ, on peut faire de la transplantation divine, mes amis, par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, allez et guérissez. Il a dit quoi? Il a dit, allez et guérissez. Lui, il a tout accompli. Et lui, il nous donne les moyens, il dit, allez guérissez. Chassez les démons, guérissez les malades. Elle est venue avec pas de trompe. Quand tu vois ça, tu dis, Seigneur, mais les trompes. On a peur de se tromper. Alléluia.